passer de l'hôpital à la chocolaterie comme Renflor, que nous avions rencontré il y a quelques jours, ou créé son entreprise artisanale. Encore faut-il être bien informé et accompagné. L'actualité en bref, c'est d'abord cette initiative de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est qui proposait ce vendredi un premier rendez-vous dédié à la reconversion professionnelle à Épinal. Une vingtaine d'organismes de formation, de professionnels ou de conseils étaient réunis. 760 demandeurs d'emploi vosgiens étaient attendus, intéressés par un changement de carrière et invités par Pôle emploi. Valoriser le travail des producteurs d'ici et d'ailleurs, c'est ce que font tout au long de l'année les bénévoles de l'association Artisans du Monde. La quinzaine du commerce équitable, elle a débuté il y a quelques jours avec l'ambition d'interpeller les consommateurs sur leurs habitudes d'achat et surtout sur une consommation plus équitable, solidaire et durable. Jusqu'au 22 mai à Épinal, l'enseigne Artisans du Monde, qui existe depuis 25 ans, mettra donc à l'honneur des produits alimentaires mais aussi des jeux et de l'artisanat, avec chaque jour son produit et une réduction en prime. Cette quinzaine prouve depuis 20 ans son efficacité au niveau national. Plus de 95% des Français connaissent en effet aujourd'hui le commerce équitable, alors qu'il n'était que 9% au début des années 2000. Les différentes structures sont installées ou en passe de l'être au parc du Cours à Épinal. Le festival Les Imaginales, qui aura lieu du 19 au 22 mai prochain, fête son 20e anniversaire sur le thème de l'afrofuturisme. L'afrofuturisme, c'est un mouvement littéraire qui mélange science-fiction et afrocentrisme et dont l'un des personnages les plus célèbres est la Black Panther de l'univers Marvel. Cette année, 180 invités étrangers et francophones sont attendus, dont l'auteur antillais Michael Rock, coup de cœur des Imaginales 2022. Au programme également de ces 4 jours, programme présenté en début de semaine dernière à la Maison Romaine d'Épinal, initiation au cosplay, quidditch et escrime artistique, mais aussi une murder party à la BMI d'Épinal. Les visiteurs, attendus comme toujours de la France entière, pourront également assister à la traditionnelle rencontre de body painting consacrée au monde animal et à l'humanité 100 ans après. Coup d'envoi de ces imaginales jeudi prochain dès 10h.